Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette vidéo sur TS, les pronostics de TSC 2017. Alors nous allons tout de suite commencer par le pré-show entre Alicia Fox et Sasha Banks. Je dirais victoire de Sasha Banks pour simplement parce que elle est plus forte qu'Alicia Fox, elle est plus poussée tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autre explication et d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils mettent ça en pré-show. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, deuxième match, Alexa Bliss contre Mickie James. Je dirais victoire d'Alexa Bliss. Certes, Mickie James pourrait faire une bonne championne, mais je pense qu'il faut encore attendre un peu. Je pense que Alexa Bliss a besoin d'un bon règne. Pour bien s'affirmer. Voilà. Ensuite, match entre Asuka et Emma. Faut savoir que Asuka sort de NXT et qu'elle a battu le record de Goldberg. Et je pense que si la WWE est assez intelligente, je pense que pour crédibiliser Asuka, ils vont la faire gagner. En d'autres termes, je ne vois pas du tout Asuka perdre contre Emma, qui elle, par contre, mais à NXT, elle était super cool, elle était classe, elle avait du talent. Arrivée au roster principal, elle est présentée comme une jobbeuse. C'est une nymphe. Voilà. D'où ma justification, la victoire sur Asuka. Voilà. Alors, Enzo Amore contre Kalisto. Pour le match, pour le titre que je vois, alors je ne suis tout simplement que le championnat, que le titre, en fait. Je ne suis pas vraiment le reste pour la division des points moyens. Alors, Kalisto et Enzo Amore, c'est eux qui, en ce moment, font le main event, et tant mieux pour eux. Voilà. Et je pense que c'est idiot de faire perdre Enzo Amore avant avant TLC, à moins qu'ils aient prévu de le faire gagner à TLC, ce qui serait cool. Que ça soit Kalisto ou Enzo Amore, ça me dérange pas, franchement. J'aime les deux catcheurs. Qu'ils me fassent gagner l'un ou l'autre, ça me dérange pas. Mais j'ai une petite préférence pour Enzo Amore. Alors, Finn Balor contre AJ Styles. Normalement, ça aurait dû être Finn Balor contre Bray Wyatt, mais pour des raisons médicales, AJ Styles le remplace. Ça sera la même chose pour l'autre match qui sera au main event. Alors je sens que ça va être un troll, je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est pas vraiment une raison médicale, je suis sûr que c'est une fausse rumeur de la WWE et qu'en fait Finn Balor il fait un match le simple, enfin ce qu'ils essaient c'est un match le simple, mais qu'en fait Bray Wyatt va intervenir pour une faute à Sister Abigail et victoire de Edge Styles à tous les coups. Je suis sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Ensuite, Cedric Alexander et Rich Swann contre Brett Kendrick et Zack Ryder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis que le championnat Cruiserweight. Je ne suis que le championnat, je ne suis pas la division. Enfin, je suis les matchs pour le titre, c'est ça que je veux dire. Vraiment, au pire, je dirais victoire de Cedric Alexander et Rich Swann. Vraiment au pif. Hein. Alors, le main event, qui est super chaud, Miz, probablement accompagné du Mr. Rage, Braun Strowman, Kane, et le Bar, à savoir Cesaro et Sheamus. Ils ont enfin trouvé un nom à leur équipe. C'est pas trop tôt. Ils sont 5. Oui, je sais, je suis super bien compté. Le mec, il se pavane. Le mec, il se permet de savoir compter, c'est du nimp. Contre le Shield, à savoir Seth Rollins et Dean Ambrose. Roman Reigns sera remplacé par Kurt Angle, mais je suis sûr qu'en fait, c'est pas vrai. Hein. Je suis sûr que c'est encore un troll. Je suis sûr que le Shield et Kurt Angle vont gagner. Je ne vois pas du. Si, je pense. Je crois savoir comment il pourrait gagner Strowman, enfin l'équipe du Miz.
J'aurais bien aidé, voilà. Il suffit que Stroman soit bien destructeur. Stroman, colonel, un peu comme ça, avec la voix un peu comme ça. Et après, il défonce tout le monde. Voilà, une voix un peu virile. Enfin, bref. Tout ça pour dire, victoire du Shield et de Kurt Angle. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. C'était Antox. Sur Antox Montana D.